Bienvenue sur la chaîne Mécanique Sportive. Aujourd'hui, on est avec Marco. Bonjour à tous. Bonjour. Merci Nicolas pour ton invitation. Bah, merci à toi, puisqu'aujourd'hui, on essaye quand même un beau bébé. Hein. C'est une DB9. C'est ça. Assez spéciale. Oui, bah oui, Mansory One of One. Donc voilà. Ok. Et avec un échappement qui ronronne énormément. Ouais. Donc on pourra voir ça après. Mais non, oui, elle est vraiment pas comme toutes les Aston Martin. J'imagine, mais c'est vrai qu'on l'a entendu un petit peu pour venir jusqu'à ce magnifique spot. On est au bord de la mer, ça change de la région parisienne. Et donc, on va faire un petit tour avec toi. Mm-hmm. Donc, cette belle voiture. Donc, toi aussi, tu as un petit Instagram, une petite chaîne YouTube sont... Donc, il y a M7 Marco pour YouTube. Okay. En fait, achat-revente hein, de la Twingo à l'Aston Martin. Voilà. Et marco.lh7 en Instagram, où je réponds à tout le monde pour donner des techniques d'achat-revente et pour faire du business avec l'automobile et réaliser son rêve automobile. Voilà, parce que comme toi, tu disais, donc tu es passé d'une Twingo. Ouais. Donc en achetant une Twingo, ce que tu as revendu, tu as acheté plein d'autres voitures. Voilà, 13, on en parlera un petit 13 peu. 13 voitures, exactement. 13 voitures. Ouais. Vous vous rendez compte de passer d'une Twingo à ça en 13 voitures? Merci beaucoup. Bravo. Bon, on va aller voir tout ça. On va essayer de la conduire. Je pense qu'on va s'en prendre plein les oreilles. Et ça devrait être très sympa. Exactement. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, petit tour de cette voiture, donc cette DB9 volante. Donc, première chose, hein, on a ce covering ici qui est en alu brossé. C'est du plus bel effet en plus, donc c'est bien dans le sens de la longueur de la voiture et ça donne vraiment quelque chose de très sympa. Donc, c'est une Mansory, donc One of One, qui était préparée par ce grand préparateur hein, qui fait des trucs des fois un petit peu assez douteux sur les véhicules ces dernières années. À l'avant, donc, on a ici le badge Aston Martin. On a du carbone sur cette première calandre. Du carbone ici également, les phares donc qui sont vraiment typiques de chez Aston Martin et qui donnent ce côté vraiment très très sympa et agressif, donc en big xénon déjà à l'époque. Ici, la calandre a été retravaillée par Mansory. On a du carbone ici, un petit appui aérodynamique ici. Sous le capot, on a ici le V12 de 6 litres qui chante vraiment très très bien. Oh. Comme vous pourrez l'entendre dans la vidéo, ça va être vraiment très sympa. Les coques de rétro en carbone Mansory. Là, cette petite lame ici qui est siglée Mansory en doré qui donne un côté très très sympa. Et pareil, le fait que ce soit du carbone et que ce soit plus juste du chrome, très mignon. Sur les jantes, on est sur du 20 pouces à l'avant comme à l'arrière. Donc maintenant, il y a souvent du 20 à l'avant et du 21 à l'arrière. Mais là, on est sur les jantes de la DBS aussi, donc pour donner un côté un peu plus sportif au véhicule. Ce qui est sympa chez Aston Martin aussi, c'est cette façon d'ouvrir les portes. Hop, et on a une porte qui s'ouvre en hauteur, donc c'est vraiment très sympa pour éviter de frotter les trottoirs souvent parce que c'est des voitures assez basses. Voilà ce que ça donne de ce côté là et ensuite donc on a ici un petit bout en carbone aussi qui était rajouté sur le bas de caisse qui est du plus bel effet. Sur l'arrière donc on a ici le petit béquet tout en carbone siglé Mansory ici qui est gravé, enfin pas gravé mais qui est vraiment imprimé dans le carbone, des petits rappels carbone au niveau des phares, le gros diffuseur qui était spécialement étudié pour faire passer cet échappement Mansory tout en titane, donc c'est une ligne qui chante vraiment bien et qui a été vraiment retravaillée pour donner un son très agréable et mélodieux à cette voiture, le coffre, on a pas mal de place, c'est pas ce qui se fait de mieux dans les GT de ces années-là, mais au final, on a quand même un peu d'espace, au moins de quoi ranger un club de golf. Il ne faut pas oublier qu'on a des places arrière où on peut placer des valises-cabines et tout ça. Effectivement, si vous y allez à deux, vous pouvez ranger là. Mmh. Et la capote a vraiment son compartiment séparé et ça n'empiètera pas sur le volume du coffre. Alors ça peut être un plus comme un moins,
Parce que d'un côté, quand la capote est fermée, bah, l'espace est inutilisable, alors que le coffre ne changera pas de volume. Ça peut être un plus quand on décapote. Quand on rentre dans le véhicule, première chose, ici, on a le badge Mansory Edition One of One. Donc, c'est un modèle unique, la Neo Edition. Ensuite, on voit sur les portes du carbone ici, le haut-parleur et du cuir un peu partout. Donc, avec pareil, du carbone. La petite ouverture de porte qui se fait à cet endroit-là. Ensuite, donc, le beau volant tout en cuir, les palettes qui sont juste derrière. On a quelques réglages ici seulement, donc le volume et le régulateur de vitesse. Derrière, ce magnifique compteur en alu brossé qui peut faire penser à la carrosserie. Alors, c'est un petit détail, mais je n'y avais pas pensé juste avant. Ensuite, donc là, ici, toute la console ici en carbone avec les réglages, le sélecteur de vitesse, donc avec parking reculé, neutre, drive et le petit bouton magique ici qui permet de démarrer le véhicule. Ensuite, donc la radio, etc. La petite pendule Aston Martin, très mignonne. Et ensuite, des petits rangements ici et les accoudoirs là. On règle les sièges sur ce côté-là. On a la mémoire sur trois positions. Le rétroviseur ici sur lequel on voit bien qu'il est électrochrome aussi. On a également les pédales ici, le pédalier en aluminium, Mansory. Alors ça, c'est du plus bel effet. Et d'avoir Mansory sous les pieds, c'est pas plus mal. Bon, on va essayer de monter dans cette voiture. Alors, attends, hop. Il y a un petit peu de sable ici. Alors, hop. Voilà. Ouh. Tu écartes les jambes. Alors, déjà, j'ai les pieds qui sont sous le siège. C'est ça. Et là, voilà. Et là, je peux reculer. Oh, oui, bah, stop. En fait, stop. Et là, ça laisse la place. Mais là, on voit. Voilà, vas-y, on... essaye de monter, toi, à l'avant. Et là, au moins, on est quatre. Ouais, donc. Ça va. Ouais. Ça passe. Les genoux dans le tableau de bord. Oui, non, je vais pas faire des centaines de kilomètres. Alors, je sais pas. Tu vois, mes genoux, moi, ils sont là. Hein. C'est là, les genoux ils dépassent là. Ouais. C'est-à-dire quand tu fermes la portière. Voilà, ouais, c'est. Tu vas voir. Ah ouais, j'ai le genou à la portière. Voilà. Bon, bah, ce qui est bien, c'est que je peux m'accouder comme ça, quoi. Exactement. C'est assez exigu. Et pour ressortir, petit bouton ici. Le petit bouton. Ok. Et je libère tes pieds. Merci, Dieu merci. Voilà. On a un petit rangement quand même. On a un petit sort de petit filet à l'arrière. Au cas où on veuille ranger quelque chose dans nos chaussettes. Et pour ressortir, bon, ça va. Oui, mais non. Voilà, à bord avec Marco de cette belle DB9. Mm-hmm. En plus, on va en profiter, comme vous pouvez le voir, on a un beau ciel bleu, malgré les 3, 4, 5 degrés qu'il fait actuellement. Oui, là, ouais, je commence à trembler un petit peu. Mais je pense que le V12 va pouvoir bien nous réchauffer. Oui, je pense. Et je pense qu'il y a juste un petit bouton par ici, là, sur lequel il faut appuyer. Je te laisse appuyer. Ouais. Et tu maintiens. Ah, c'est mignon. Hein. Ça parle de lui-même. C'est un doux son agréable à l'oreille. Très, très agréable. Et on était qu'à 3500 tours. On était qu'à 3500. Tu peux aller à 7000, 7005. Ça a été conçu pour. Ça promet, je pense. Ça promet, je pense que ça va être assez sympathique comme balade. Carrément. Donc dessus, c'est une boîte automatique. Boîte Touchtronic, voilà, automatique. Okay. Alors, c'est une boîte ZF sur ce modèle-là. D'accord. Donc très robuste. Et niveau entretien, très correct aussi. Donc, tu as 6 rapports. Ok. Voilà. Une consommation moyenne, parce que beaucoup me demandent. Qui peut vite faire, c'est sûr, 20 à 30 litres. Mais par contre, si tu restes en 6e et que tu n'exploites pas trop, on va dire, les tours minutes, tu peux être gentiment vers du 10-12 litres. Ok, voilà. Ce qui reste très correct pour un V12. Mais vu que tu n'exploites pas à 100% le V12, automatiquement, la consommation est très correcte. Ok, donc tu vois, sur autoroute, tu arrives à faire 10-12 à peu près. Ah oui, complètement. Ouais. Par contre, là, quand on joue, comme on peut jouer tout à l'heure, on pourra regarder, mais ouais, là, le plus que j'ai fait ici avec celle-ci, c'était 49 litres 9. Ça commence à faire. Oui, ça commence à faire. Là, c'est vrai que... C'est parti. Du coup, sur la palette, drive, donc ici on a les modes de sélection, voilà. Parking, reculé, neutre et drive. Exactement, et comme les Ferrari ou Lamborghini,
pour mettre en neutre, t'appuies sur les deux. Deux palettes. Ok. Bon, let's go. Ouais. Juste dans les premiers petits tours, hein, c'est bien mélodieux. Oui, voilà, et en fait, cet échappement Mansory, donc soit il va donner vraiment une sonorité impressionnante, ouais. Mais comme j'ai eu d'autres modèles et qui ne permettaient pas forcément faire de la route, de l'autoroute, alors qu'avec celle-ci, voilà, que ce soit moi, un ami ou même madame à côté, elle peut dormir sans problème, alors que pour autant, elle est faite pour faire beaucoup de bruit, mais elle sait aussi être hyper agréable pour la famille. Donc là, Mansory, sur cette voiture, il a fait donc le kit extérieur. Intérieur. Intérieur aussi. Donc par exemple, les tapis, etc. Ça, c'est Mansory aussi. Voilà, exactement. Okay. Tout le carbone. D'accord. Le volant met plat. Okay. Avec la ligne des 12 heures. D'accord. Ensuite, ils ont fait donc tout ce qui est extérieur carbone. Ils ont fait toute la partie extracteur d'air arrière. Ok. Tout l'échappement. Donc d'après ce que j'ai vu, c'était un pack à 48 000 euros. D'accord. Et on était, je crois, sur une ligne d'échappement qui avoisinait les 15 000. En titane. D'accord, donc la ligne est full titane. Ouais, voilà, donc okay. La ligne, tu vois, même quand tu rétrogrades. Voilà, et là j'ai été à 2500-3000 tours minute. Ok. Voilà. Et je te disais, hein, décapotable, c'est encore plus impressionnant en fait. T'as vraiment l'impression de. C'est démoniaque. Je sais pas si c'est ce que t'en penses, mais. Non, c'est. C'est agressif hein, pour les oreilles quand même, hein, ouais. Dès que ça monte un petit peu. Ouais. Mais c'est vrai que bah dans les tours, bah c'est vrai que c'est agréable et on pourrait vraiment rouler ouais. Tout le temps. Quoi. Et là, mais... Donc très bonne tenue de route, okay. Franchement elle est très agréable. Après si tu débranches le SP, c'est plus pareil. C'est vraiment... elle est très joueuse. D'accord. C'est pas comme les AMG ou autres. Mais pour la mettre en travers, elle demande que ça. Hein, ok. Donc le couple, tu sais combien il y a de couple dessus? 700 Nm, ok. Le plus important, plutôt que de compter les chevaux, souvent, c'est de prendre du plaisir au volant. Le plaisir, c'est une atmo, donc tu rétrogrades et ouais. C'est là que tu te fais plaisir. C'est ça qui est plaisant avec ces voitures-là. Mais là, c'est vrai, on est sur une petite route de campagne. Ouais. Et c'est hyper confortable. Ouais, c'est confortable. Hein. On est bien installé là dans ces petits paquets. Alors de base, c'est une GT. C'est ouais. Pas forcément une voiture pour faire du circuit, pour faire de la compétition. Et elle remplit vraiment bien son job. Ouais, ouais, elle remplit bien son job. Et franchement, ce que j'apprécie avec cette voiture, c'est que pour être de 2008, la technologie qu'ils ont fait dessus donne vraiment de l'assurance. Tu sens que c'est une voiture qui va autant être confortable pour des petites routes comme ça, comme pour de l'autoroute. Elle s'associe vraiment sur... Une bonne GT qui peut faire vraiment tout, qui est ouais. Versatile, ce qu'on pourrait dire. Complètement. On peut faire, c'est, comme tu dis, de la route, de l'autoroute. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai avantage de pouvoir s'en servir au quotidien aussi. Quoi. Complètement. Donc là, on a une petite route sympa.
quand même bien à conduire comme ça aussi, parce que il faut l'exploiter quand même ce V12, tu vois ce que je veux dire. C'est sûr. Quitte à l'avoir, autant en profiter. Oh là là. Dans le respect, bien sûr. Elle a l'air super facile à manier en plus. Elle est quand même assez joueuse. Ouais, elle m'a déjà fait des petites surprises. Et t'as quoi comme pneu dessus? Là, je suis en pneu à l'arrière, ça doit être en Potenza ou Continental. Ok. C'est ceux que. Enfin, quand je l'ai acheté, quoi, d'origine. Okay. Mais je suis pas en Michelin. D'accord. C'est vrai qu'elle a quand même une bonne tenue de route. Hein. Très bonne tenue de route. J'ai mis du sous-mitant. Ok. C'est quelque chose, moi je roule tout le temps en décapoté, quasiment toutes mes voitures sont décapotables depuis pas mal d'années. Et les gens me regardent avec un air l'hiver, mais waouh, qu'est-ce qu'il fait? Alors quand t'as les sièges chauffants, que t'as le chauffage au pied, sur les cuisses, plus au niveau du pare-brise, tu peux vraiment rouler en décapoté toute l'année en fait. Exactement. Et là t'as les sièges chauffants, t'as les sièges massants sur celle-ci. Ok, massant, ça c'est cool, c'est un vrai plus. C'est vrai qu'on voyait pas que c'était vraiment. Bon bah top. Voilà. On se fait un petit échange? Allez, c'est parti. Hop, et donc le frein à main chez Aston qui est à gauche. Toujours et surtout. On tire. Et qui redescend. Et qui redescend pour pas gêner la montée et la descente du véhicule. Exactement. Donc pour le renlever, on remonte à la hauteur. Ok. On enlève et là on l'enlève. Ok. Bon, allez, c'est parti. Donc pied sur le frein. Drive. Drive. Un petit coup à droite. Exactement. Première, donc là, on a One qui s'affiche au centre de l'écran. Et donc chez Aston Martin, on a aussi les aiguilles inversées, toujours le contour qui monte comme ça et les vitesses qui montent dans l'autre sens. Et on a un compteur gradué jusqu'à 330 km/h. Alors, c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui du tout. Non. On va pas dépasser les 70 km/h prévus sur route qu'on va pratiquer aujourd'hui, ou 80 au grand maximum. Donc, on a la boîte, dès qu'on lâche le frein, ça accélère un petit peu, donc ça avance. C'est vrai que c'est super agréable, bah dans les tours. On a une bonne sensation sur la pédale d'accélérateur aussi. Voilà, elle te met en confiance en fait. Ouais, c'est vrai, on peut conduire vraiment. Alors super. Si tu prends aujourd'hui une Huracan ou une Aventador, qui est très brutale dès le début, même une marche arrière pour faire un créneau, c'est très. C'est très agréable. Toi qui as eu aussi une E55 AMG, il me semble. E55 AMG compresseur, oui. Et moi c'est pareil, enfin, sur la SL, tu as dit que je voulais faire une marche arrière, j'ai pris un peu, ça fait pop, ça partait. C'était très brutal. Ouais. Alors c'est vrai que là c'est super doux. Et une CLS63 MG aussi. Okay. Et pareil, c'était brutal. Mais par contre, c'est une très bonne voiture, mais tu sens que c'est fait tout le temps pour arracher du pneu. Tout le temps. Alors que là, on est vraiment une GT. Ouais. On peut aller sur la Croisette ou à Monaco et profiter des petites routes sympas en y allant tranquille et aller chiller en ville. Par contre, on voit que si on appuie un poil plus. Ouais. Tu sens que. Ah ouais, si. Ça a l'air d'être sympa. Hein. Le V12 est bien là, quoi. Donc, ah, franchement, c'est hyper agréable parce que c'est super mélodieux, quoi. C'est quand il y a les glou-glou et on sent que le couple arrive. Et là, à ce moment. Ouais. Oh ouais, c'est beau. Et quand on tombe en rapport. Alors, comme tu disais, c'est une ancienne boîte d'un côté. Donc ça met un petit peu de temps, c'est pas les doubles embrayages instantanés. Voilà, exactement. Mais t'as le plaisir aussi de dire que t'as la. Tu sens qu'elle se place bien, il n'y a pas énormément de secousses non plus. Tu vois, il y a des airtronics, il y a des boîtes qui sont maintenant assez avec une secousse. Ça, je trouve ça désagréable. Et là, regarde, selon au nombre de tours que tu vas passer la vitesse, tu vas voir, tu vois, c'est fluide. Carrément. Alors, on n'est pas sur des PDK, on n'est pas sur tout ça, mais on sent que déjà pour l'époque, je trouve que c'était déjà. Bah, c'est vrai que c'est hyper fluide, hein, par contre. Par exemple, là, je suis en 3ème, je mets la 4. Pas de gros à-coups quoi non, que ce soit, non, c'est non, vraiment. Ouais, et encore, c'est parce qu'on est un peu bas régime en fait pour passer de cette vitesse. Mais sinon, tu vas voir, tu vas même pas sentir de. Ouais,
que ça devrait être mis en option sur le catalogue de Aston Martin. Carrément. Si je peux passer un message à Aston Martin, ils mettent des bons moteurs AMG maintenant. Écoutez Aston. Ils mettent des bons moteurs AMG maintenant, mais je pense qu'ils devraient mettre l'alignement de son en option. Oh, mais le son. C'est magnifique. Mais avec le couple, de toute façon, le frein moteur est déjà carrément. Va bien freiner le véhicule. Franchement, c'est hyper agréable. Donc la tenue de route, ouais, on voit. Alors, pour une GT, elle reste quand même assez ferme, mais bien suspendue. Ouais, elle se place très bien dans les virages. Carrément.
mode auto aussi ou pas? Oui. Où on est forcément que palette. D. Okay. En fait, oui, il y a un mode sport aussi. Ok. Tout à l'heure, on roulait pas en sport. Effectivement, c'est vrai, on n'a pas fait de sport. Alors, t'as un gros changement en mode sport ou pas? Oui, franchement, ouais. Ok. Ouais, si tu sens que ça accélère un peu plus fort. Ouais, complètement. Ouais, ça y va beaucoup plus. Ouais, plus franco. Carrément. Elle est plus franche. Alors là, je suis repassé en passager. Et donc, on n'a pas essayé le mode sport, puisque depuis tout à l'heure, on était en mode normal. Donc, on a deux modes, soit le mode sport, soit le mode normal. Exactement. Et ensuite, on peut aussi enlever l'anti-patinage. Aussi, oui. Pour se faire quelques petites glissades. Oui, si, c'est... Si. Oui, hein. Oui, on si. Sent une différence quand même. Je pense qu'on sent quand même. On sent que c'était pas juste un bouton pour faire joli. De pneus sur sur le bouton et... C'est ça tu disais? Ah ouais, effectivement ça... C'est assez sympa hein. Ouais, c'est assez sympa hein. Ça tourne assez bien. Ça tourne très bien. Bon bah Marco, franchement merci beaucoup hein, pour cet essai. Au plaisir. Et d'avoir pris le temps ouais. Bah, de nous faire profiter de cette belle voiture. Donc comme on disait, on peut te retrouver sur Insta et YouTube. Donc je vous mets le petit lien juste ici, ou par là, ou quelque part par là. N'hésitez pas à les suivre. Et grâce à ça aussi, vous pourrez savoir comment il en est arrivé là pour passer donc, d'une Twingo, comme on disait, en passant bah, par, tu me disais, donc des Mercedes. Alors donc non, il y a eu, bah, je peux faire la liste rapidement, allez. Mais il y a eu Twingo, j'ai vendu la Twingo, je l'ai changé avec un petit peu de rajout pour une Z4. Mm-hmm. La Z4, une SLK. Une SLK, je suis monté sur une Audi TT S, pack RS. Donc toujours le petit truc qui fait que tu vends mieux. Okay. Ensuite, j'ai vendu, je suis passé sur une E55 AMG série 6, 630 CI. 630 CI que j'ai refilé. Après, je suis passé sur une KMOS. KMOS T-Kart, unique, enfin, elle est magnifique, on la voit d'ailleurs sur mon Instagram. Okay. Après la KMOS, donc, j'ai revendu pour acheter ma maison, enfin mon apport, c'était le but, hein. C'était de monter pour justement bah, faire quelque chose de cet argent. Mm-hmm. Et après donc, je suis reparti à zéro, je suis remonté sur une SLK 200 compresseur, mais avec un très beau pack aussi, assez Schneider. Du coup après je suis monté sur un Q7 CLS63 MG, Audi RS6. 700 chevaux éthanol, je pense que c'était une des plus brutales que j'ai eues. Okay. Ensuite Panamera 4S et ensuite cette Aston Martin DB9 volante. À la base je cherchais une Aston Martin DB9 volante. Okay. Et puis j'ai trouvé une Mansory. Franchement. Et il s'avère qu'après j'ai su que c'était un joueur de foot comme Aubameyang. J'ai su qu'après tout ça, l'histoire de la voiture, je l'ai découvert par la suite. D'accord, ok. Et franchement, bah top. Et la prochaine? Et la prochaine, il y a des petites idées. Mon rêve automobile, en lançant l'achat-revente, et du coup M7, ça a toujours été d'avoir une Ferrari avant mes 30 ans, okay. Ou une Lamborghini. Même si je ne l'ai pas, je pense que celle-ci aura largement détrôné. Enfin, je pense que ça m'a fait réaliser mon rêve automobile, ouais. Franchement. Parce que j'ai déjà passé un cap avec ce modèle. Ah, mais une Aston, sinon, ouais, une 458 Italia, ouais, j'aimerais okay. beaucoup. Ce serait top, bah, je te le souhaite. Merci beaucoup. Mais en tout cas, déjà une Aston à moins de 30 ans, c'est plutôt cool. Oui, ouais, c'est vraiment surtout cool. Grâce à ça, bah, cet achat-revente. C'est vraiment cool. Et il y a plein de petites techniques, bah, celles que vous pourrez découvrir sur son YouTube. Il explique vraiment
bah, quelles sont les bonnes façons de le faire. Et voilà, je vous laisse découvrir tout ça. En tout cas, bah, merci beaucoup. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme ça, parce que c'est gentil. Et vous abonner, et on essaiera de faire encore plein d'autres voitures sportives. En tout cas, merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Allez, salut. Merci, ciao.